dans une salle avec une délégation du Ghana conduite par le ministre de la Sécurité, M. Kandapa. On a discuté sur la situation politique au Togo et principalement, on a essayé de... C'était les préliminaires d'une discussion, d'un dialogue. Et nous avons essayé de voir ce que peut être le cadre de ce dialogue. Et nous avons fait des propositions. Le ministre ou la délégation ghanéenne va les présenter au pouvoir en place, puis on verra ensuite. Ça vous est simple, ça veut dire que vous insistez toujours sur les départs de Faure Gnassingbé alors qu'on parle aujourd'hui d'un début de discussion? Nous avons dit que nous avons discuté du cadre d'un dialogue. Nous ne sommes pas encore dans la discussion proprement dite. Autrement dit, y a-t-il encore des préalables avant l'ouverture de ce dialogue? Il y a ce qu'on appelle les mesures d'apaisement préalable. Et c'est quoi ces mesures, quoi? Je vous ai dit que nous les avons formulées, nous avons discuté avec les autorités ghanéennes qui les présenteront au pouvoir en place. Mais dites-nous, Monsieur le Président, quand même quelques mots. Qu'est-ce que vous avez dit au ministre ghanéen? C'est vrai qu'on vous écoute tous les jours, mais dites-nous quand même ce que vous avez dit en quelques mots. Non, je ne dirai pas ce que je n'estime pas nécessaire ici. On mettra la place publique? Oui, pour le moment, ce n'est pas nécessaire de dire ça, d'en parler. Vous avez vu, nous avons une délégation suffisamment représentative du groupe des 14. Je crois que ça va. D'accord, merci. Je vous en prie. Monsieur Tchatipi, bonjour.